Regardez mes mains. Vous avez vu mes mains? Hein? Vous avez vu mes mains? C'est des mains d'un terroriste, ça? C'est des mains d'un gars qui travaille tous les jours. Moi, j'aurais honte. Moi, si j'étais à votre place, je le poserais, ce costume. Déjà, être armé comme ça quand on est paysan, sans déconner. C'est une honte. Une honte. J'espère qu'un jour, vous aurez rien dans vos assiettes. Les amis, cette vidéo me fait vraiment mal au cœur. J'ai pas les mots. Le désespoir qu'on peut entendre dans la voix de cet agriculteur, c'est vraiment déchirant. Pour remettre un peu de contexte, on a des gendarmes qui bloquent le passage à plusieurs agriculteurs qui souhaitaient aller manifester au marché de Rungis. Forcément, les agriculteurs sont pas contents et l'un d'entre eux va exprimer tout son désespoir aux policiers en demandant pourquoi il est traité comme un terroriste. On entend le policier acquiescer et être d'accord avec les propos de l'agriculteur. Mais le pire, et ce qui fait vraiment mal au cœur, c'est qu'il ne peut rien faire et qu'il doit obéir aux ordres qui lui sont donnés. Si on réfléchit bien, il y a quand même beaucoup de similarités entre les métiers de policier et d'agriculteur. Dans les deux cas, il y a des conditions pas forcément faciles et un gros manque de soutien de la part de l'État. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et en tout cas, soutien aux policiers et aux agriculteurs.